Yerick, bravo, tu finis quatrième de cette étape du Grand National avec Caramel d'Orchis, préparation pour l'Umulen. Voilà, il va vraiment mieux, il a bien progressé sur le dressage, sur le cross, enfin, sur les trois épreuves, sur les barres surtout. Et du coup, là, il commence à répéter des bons résultats, double sans faute à Saumur, classé dans la Pro 1, 7e à Pompadour, et là, 4e. Donc, on est parti pour l'Umulen. 5 étoiles à nouveau, après un magnifique badminton. On a l'impression que tu mets un point d'honneur à faire ces belles épreuves-là. Oui, c'est sûr que je pense que quand on a un cheval qui va bien, comme Caramel, là, par exemple, qui va bien sur point pro lead, je me dis, c'est parti. Parce que je sais qu'il a les moyens de le faire. Après, la question, c'est la condition, mais je vais essayer de lui donner la meilleure préparation possible. Et après, on verra où on en est, mais j'ai bon espoir. Esprit va bien à propos de préparation. Esprit va bien, il a bien récupéré. Il a 2-3 semaines de vacances là, jusqu'à la fin du mois, en gros, au pré. Et puis après ? Et puis après, on reprend pour refaire une épreuve. Jean Vitel avant la sélection. Ok. Voilà. Et on croise les doigts. Merci beaucoup. Merci. Et encore bravo. Merci.